L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bien, il vous est reproché d'avoir à Bégole, le 11 avril 2011, commis l'infraction suivante, deux points, dégradation ou détérioration grave du bien d'autrui, en l'espèce sectionner les fils en cuivre de la bobine du moteur de la bétonnière. Vous n'avez pas d'antécédent judiciaire. Vous vivez seul ? Oui, maintenant, oui. J'ai noté que vous ne travaillez pas ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis au chômage. Vous étiez dans quel domaine ? Que je ne trouvais pas ici, donc c'est pour ça que je suis remonté sur Paris. Et là-bas, vous avez un espoir de retrouver quelque chose ? Là, j'ai un contrat CDD. Un contrat aidé ? Non, un CDD. Un CDD, ouais. Dans quel domaine ? Chauffeur. Vous gagnez combien par mois ? 1300. Et depuis quand et jusqu'à quand le contrat ? Ce mois-ci jusqu'à avril. Jusqu'à avril ? Ouais. Et vous avez un espoir de le voir renouvelé ? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Sinon, je travaille en intérim, quoi. Bien, alors, votre ex-compagne, hein, Sandrine, vous avez vécu ensemble 17 ans, quand même. Hein, donc, c'est vraiment une union sérieuse, puisque vous avez en plus deux enfants communs. Vous les voyez ? Ouais. Ben là, comme je suis là, je vais passer les voir. Ils sont toujours avec elle ? Ouais. Alors vous, vous êtes séparés, puis vous avez repris la vie commune, et elle a eu d'ailleurs un autre enfant entre-temps que vous avez reconnu. Ouais. Et en janvier 2011, elle a décidé à nouveau de la séparation. Donc, vous avez quitté le domicile en emportant vos affaires, et puis vous êtes revenu à plusieurs reprises, hein, en son absence, pour... Bon, récupérer des affaires à vous, peut-être, mais aussi prendre certaines choses qui lui appartenaient. Non. Et en tout cas, vous avez dégradé une bétonnière qui vous avait été donnée, je crois, par un membre de la famille. En sectionnant, vous n'êtes poursuivi que pour cela, vous n'êtes pas poursuivi pour le vol d'autres objets éventuels dont elle fait état, mais vous êtes poursuivi pour la dégradation de cette bétonnière, puisque vous avez sectionné les fils en cuivre qui se trouvent à l'intérieur de la bobine, et cela n'est pas réparable. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes revenu quand elle n'était pas là pour chercher vos affaires. Je lui ai dit que j'allais revenir. J'ai dit je viens demain. Elle me dit non, tu viens pas, je veux pas que tu viennes. J'ai dit bah si, demain je viens chercher, c'est comme ça. Mais quand vous étiez parti, vous aviez emporté vos affaires. Et quand je suis... Non mais parce que je pouvais pas tout prendre. Alors j'ai fait plusieurs tours. Ah, parce que ce que vous avez récupéré, c'est quand même des choses qui, à mon avis, devaient quand même être bien communes. Hein. Un vieux banc en bois, des piquets en fer de couleur verte qui m'appartenaient. Hein, quand on a vécu 17 ans ensemble, pour savoir si les piquets en fer appartiennent à l'un ou à l'autre. Et quant à la bétonnière, elle vous avait été donnée par la grand-mère de Sandrine. Donc si c'est la grand-mère de votre compagne qui donne la bétonnière, elle ne vous la donne pas personnellement, elle la donne au couple. Hein, donc, quand on va dégrader la bétonnière en cassant le cadenas pour rentrer, alors en plus, vous aviez bénéficié d'une mesure, on ne peut plus indulgente, de monsieur le procureur, qui vous avait fait convoquer pour un rappel à la loi, s'agissant d'un litige entre ex-concubins, et puis avec un aussi long temps de vie commune, monsieur le procureur avait, à juste titre, considéré qu'un simple rappel à la loi, puisque vous n'aviez pas d'antécédent judiciaire, suffisait. Mais vous ne vous êtes jamais présenté. Ce jour-là, je n'ai pas pu. Parce que j'avais un travail en intérim. Donc, voilà. Et vous ne vous êtes pas excusé non plus. Après, j'ai été voir la gendarmerie. Mais vous aviez un rendez-vous devant un délégué du procureur. Oui, mais bon, vous commencez un boulot et deux jours après, vous dites « Attendez, il me faut une journée ». Il ne faut pas une journée pour aller voir le délégué du procureur. Hein. Non, oui. Vous téléphonez. Il faut s'excuser, oui. Alors, la victime n'a pas été indemnisée. Le préjudice est de 300 euros, mais elle ne se constitue pas partie civile. Hein. Pourquoi vous avez dégradé la bétonnière ? Parce que, bon, surtout si elle était à vous, puisque vous dites qu'elle était à moi. Pourquoi vous la dégradez si elle est à vous ? Mais justement, parce qu'elle était à moi. Et là, il faut la casser avant de partir ? Non, mais bon,
Elle a fait la misère, je lui fais un peu la misère aussi. Bon, vous faites bien la misère quand même. Vous lui cassez le cadenas, vous lui cassez la bétonnière. À quoi ça sert? À rien. Ben voilà. Ça sert à rien sinon à la nuyer. Hein, et c'est pour ça que monsieur le procureur voulait vous rappeler hein, que c'était une manière de faire qui n'était pas admissible. Hein, qu'on ne pouvait pas comme ça se venger des gens, même si, bon, hein, quelques contentieux que l'on puisse avoir. Hein, c'était ça qu'il voulait faire, monsieur le procureur. Et bon, vous venez pas, vous venez pas. Vous vous retrouvez devant le tribunal correctionnel, avec à la clé hein, une condamnation. Monsieur le procureur, vous avez des questions ? Oh, pas de questions. Quelles sont vos réquisitions ? Madame le Président, vous retiendrez M. Glandelien de la prévention qu'il lui reprochait, et vous ne retiendrez pas l'argument selon lequel il prétend à un moment donné, et notamment devant les services de gendarmerie, que la bétonnière lui appartient. Elle a été donnée effectivement par la grand-mère, elle a été donnée au moins au couple, et d'ailleurs, Madame le Président, lorsqu'il s'introduit chez la victime pour la dégrader, c'est quelque part, ce geste est quelque part un aveu de ce que la bétonnière ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, j'en veux confirmation, dans les propos même de l'intéressé qui, devant les gendarmes, va dire « puisqu'elle n'est pas à moi, elle n'en profitera pas non plus », dira-t-il au service de gendarmerie. Et il n'apprend pas devant les services de gendarmerie qu'elle ne lui appartient pas puisqu'il l'a dégradée avant. Vous retiendrez dans les lignes de prévention, vous le condamnerez à une peine de 200 euros d'amende. Merci, monsieur le procureur. Monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Rien d'autre. Par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable et vous condamne à 150 euros d'amende. Si vous payez dans le mois, vous bénéficiez d'un abattement de 20%. Alors, on va vous donner le papier, tout de suite, je crois. Bien. L'audience correctionnelle est levée.